Mumatingo da homo. Atingo zumbo muda nando. Mende mansota. Ecoutons les mots. Mumatingo da homo. La collectivité Boide Rongia à Clombessi, Benizan de Sahwe Rongvi de Sé et du Togo. La collectivité Vodounon Drekpe de Sahwe à Dromé. La collectivité Goumalon d'Agonlikove et la famille Yelome, également d'Agonlikove. La collectivité Redji de Savalou, la collectivité Agbevo de Toviklin, la collectivité Adjaro d'Abomé, la collectivité Adorenzin d'Abomé, la collectivité Zontchemé d'Agonlikove, la collectivité Soumanvo de Ouida, la veuve du défunt, Goumalon Gisèle Jeanne, les enfants du défunt, Zontchemé Paulette, son époux et ses enfants, Rongia Nathanaël, ses épouses et ses enfants, Rongia Amfania et ses enfants, Rongia Amfani, son époux et ses enfants, Rongia Madoché, Rongia Wilfried, son épouse et ses enfants, Rongia Kevin Ulrich, les familles parentalisées et amies ont la vive douleur de vous annoncer le décès de leur très cher époux, Papa, Pépé, Antoine Comlan Rongia, chef cuisinier, endormi dans la paix du Seigneur le 10 juin 2024 dans sa 68e année. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 15 août 2024, 20h30, veillée de prière et de chant au domicile du défunt à Aglar-Lazonto, vont être pharmacie Salem Maison Rongia Antoine. Vendredi 16 août 2024, 15h30, retrait et départ de la dépouille pour la maison mortuaire à Aglar-Lazonto, vont être pharmacie Salem Maison Rongia Antoine. 18h, recueillement au domicile du défunt à Aglar-Lazonto, vont être pharmacie Salem Maison Rongia Antoine. 19h30, exposition de la dépouille et chapelle ardente à Aglar-Lazonto, vont être pharmacie Salem Maison Rongia Antoine. Samedi 17 août 2024, 4h30, levée du corps et départ pour son village natal, Sahwe Rongvi. 10h, inhumation dans l'intimité familiale à Sahwe Rongvi. 13h, réception. La famille Rongia. Les enfants du feu Antoine Comlan Rongia vous prient, pour vous qui l'aviez connu, de prier pour le repos de son âme. Hey!